Bienvenue à vous, bande de joueurs et de joueuses. J'espère que vous allez bien. Une semaine après le test de la Samsung Galaxy Tab 2, qui est ici, je vais vous présenter le nouveau test d'une nouvelle tablette, qui est l'Arnova 7F G3, qui est ici. On verra après d'avoir fait le tour de la boîte, si elle veut bien se fermer, parce que depuis tout à l'heure, elle me fait la gueule. Allez, allez, voilà. On va dire que je suis pas doué non plus, hein. Donc bref, donc une semaine après le test de la Samsung Galaxy Tab, je vais vous présenter l'Arnova 7F G3. Arnova qui est une marque de Arcos. Arcos, constructeur français de tablettes, MP3, disques durs je crois. Donc qui nous présente son nouveau modèle qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière. La semaine dernière. Qui est sorti la semaine dernière. Pour le prix de 99€ un peu partout dans vos magasins. Auchan, Carrefour et tout le tralala. Donc cette tablette, donc l'Arnova, elle a un processeur 1 GHz, cadencé 1 GHz, 1 Go de RAM, elle est compatible avec les vidéos HD 1080p et elle comporte le Wi-Fi. Elle fonctionne sous l'OS de l'Android 4.0, avec quelques améliorations du constructeur bien évidemment, et elle a 4 Go interne. De place. On peut rajouter des micro SD jusqu'à 32 Go. Donc faisons le tour de la boîte. Donc la marque Arnova, les étiquettes, peu importe. D'autres écritures, ce machin, cette boîte contient. On verra ça après. Donc les spécifications techniques de l'appareil. Donc ça fonctionne sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich. L'écran tactile, c'est un 7 pouces capacitif, multitouche, de 800x480, un processeur ARM Cortex A8 1 GHz. Je crois que c'est un seul cœur, mais je sais plus trop. Donc 1 Go de RAM. Et elle a un port micro SD. Une caméra frontale et un micro. Donc voici pour les spécifications. Donc cette tablette a l'App Sleep Store. Il faut savoir que le store Android Google Play, je crois qu'il s'appelle, n'est pas compatible avec cette tablette. Bien que je l'ai, il fonctionne, mais je vous dirai ça plus tard. Donc Arnova a sorti App Sleep Store pour pallier à ce petit problème, sinon pas d'application dessus, ça serait un peu fâcheux. Donc compatible avec les jeux Android, et ainsi que les Office, les applications, tout le tralala. Donc full web expérience, bonne expérience web, on testera le web, et les photos, vidéos, e-book, ah bon, ouais peut-être, en téléchargeant des applications sur le store. Donc HD multimédia, HD. Donc on va faire le tour de la tablette maintenant. On a fait le tour de la boîte, on va faire le tour de la tablette. Donc, elle est là. Donc l'écran capacitif 7 pouces, avec la caméra frontale qui est ici. Aucun détecteur de luminosité comme la Samsung. Mais il faut pas comparer les deux, c'est pas du tout le même prix, donc ça sert à rien. L'écran comparé à mon téléphone LG P500 qui est l'Optimus One. Voilà à peu près ça fait quoi dans la main. La taille à peu près. Donc ça fait 7 pouces, et je trouve ça assez correct pour faire des jeux, regarder des vidéos. Des photos, je trouve que l'écran est moins étiré. Donc bref. Donc au-dessus, nous retrouvons le port micro SD, le bouton power et les deux boutons de volume, plus moins. Derrière, absence d'appareil photo, il n'y a absolument rien. Que des écritures, le nom de la tablette, tout l'écriture, made in China. La tension de fonctionnement, tout le tralala habituel quoi. En dessous qui est sur le côté, ça dépend comment on prend la tablette. Le
port USB, la prise alimentation, au-dessus DHP et la prise 3,5 mm pour les jacks qui pour les écouteurs standard, pour les écouteurs standard. Donc voilà, on a fait le tour de cette tablette. J'ai oublié de dire que dans la boîte, il est fourni un adaptateur secteur, quand même, et une prise USB. L'appareil ne peut pas être chargé par USB, mais il peut être chargé seulement par secteur. Donc voilà. Donc on va allumer la bébête. Allume-toi. Donc on déverrouille l'écran comme ça. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai le Play Store, alors que sur les Arnova, les Arcos, on ne peut pas l'avoir. Je vous mettrai le tuto pour l'installer, pour qu'il fonctionne. Donc sinon on a l'AppsLib et toutes les applications installées. On va commencer par le lecteur vidéo pour voir la qualité vidéo. Seulement la qualité vidéo. On y reviendra à la qualité audio après. Voilà la qualité vidéo qui est correcte. Correcte pour une tablette à ce prix-là. La qualité sonore. Qui est correcte aussi. On en reviendra dans les points négatifs de la tablette. Ah, saleté. Donc voilà, vous avez vu que l'écran répondait bien à mes commandes, à ce que je demande, au mouvement des pages, il répond bien. L'AppsLib, il comporte tout, à peu près toutes les applications de l'Android Market. Donc les gratuits, les payants, Skype, tout le trollolo, Flash Player, Google Play Store, Google Play Store. Ouais, tant pis. Donc voilà. Donc moi je peux profiter du. Non, 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 non. Donc moi je peux profiter du Play du de l'Android Market qui est si présent. Avec tous ces jeux compatibles avec la tablette. Il faut savoir que cette tablette lit à peu près tous les jeux, tous les formats de musique, à peu près tous les formats de musique et vidéo. Si elle ne lit pas, bah, vous téléchargez Winamp ou d'autres applications qui permettent de les lire. Elle est la plupart des jeux en 3D, qui est pas mal pour une tablette à 99 euros. Elle tient bien dans la main. Bonne prise en main. Donc les réglages. Et pour finir, on avait dit qu'on ferait le test de Internet. Donc on va sur jeuxvideo.com. Donc avec tout ce qu'il y a à apparaître là, la tablette répond très bien. Alors que la page est lourde, on peut voir que c'est vachement fluide. Bien que des fois ça bouge, mais même sur les PC ça peut bouger. Donc voilà. Ah. Donc voilà. Donc, on y revient. Pour les points positifs, on a du 7 pouces pour que l'écran ne soit pas trop étiré pour jouer correctement au jeu. Allez, assez transportable car c'est du 7 pouces. Qu'est-ce que j'allais dire? La qualité vidéo est bonne. On ne peut pas prendre de photos parce qu'il n'y a pas d'appareil photo numérique derrière. Si, on peut quand même prendre des photos avec l'appareil frontal, mais qualité reste à revoir. Je me demande si c'est pas du 0,3 mégapixels. Du 0,3 mégapixels. Donc voilà pour les bons points. Là, une tablette qui réagit bien, qui a un bon système
internet et qui a toutes les applications de l'Android Market. Nous arrivons maintenant au point négatif. Donc les points négatifs, certes, c'est un bel écran, mais quand on regarde de trop, on a l'impression que l'écran brille, que c'est pas franc, les couleurs ne sont pas franches, on voit que c'est pixelisé, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas correct quoi. Le son, si j'avais pas rajouté une application qui me permettait de débrider le son, Equalizer, oula, Equalizer, le son est très faible, on n'entend rien du tout. Quand on met des écouteurs, si on bouge les écouteurs, ça fait ça coupe un peu le son, ça c'est comme si c'était mal soudé ou je sais pas quoi. Il y a pas de présence de Bluetooth, un peu embêtant pour faire l'échange de données entre appareil avec appareil. Le Wi-Fi est correct. Le micro est correct, donc absence d'appareil photo à l'arrière. Donc en conclusion, cette tablette pour un prix de 99 euros, c'est convenable. C'est un prix convenable pour cette tablette. Quelques défauts, mais vite palliés grâce à ses bons côtés. Elle est assez puissante et réagit très bien. Donc ce que je peux que vous la conseiller par rapport à Samsung Galaxy Tab que je trouve ça un peu trop cher pour ce que c'est. Là, cette tablette-là, je peux vous la conseiller. Pour 99 euros, c'est pas trop cher pour ce que c'est. Vraiment, le prix est très bas pour ce que c'est. Donc voilà, j'ai fait le tour de la tablette. Je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo. Un petit indice pourrait vous faire voir la prochaine vidéo test que je vais faire. Prochaine vidéo test que je vais faire sera avec ce petit indice là, qui sera un jeu sur Wii. Ça sera The Legend of Zelda, Twilight Princess. Si je trouve, si j'ai pas de problème de capture, sinon bah je changerai de jeu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous revoir sur mes prochaines vidéos tests. En parlant du Play Store, il ne faut pas que j'oublie de vous mettre le tuto sur la description YouTube de la tablette. Comme ça, au moins, si vous achetez cette tablette, vous pourrez profiter à 100% de la tablette. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez. J'espère vous revoir sur mes autres vidéos test ou sur mes précédentes si vous n'avez pas encore regardé. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à plus tard. Au revoir.